Oui, je veux. Non, je ne veux pas. 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 Donc c'est oui, je veux. Non, je ne veux pas. Voilà, ou non, je ne veux pas. Oui, je veux. 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 Un peu plus autoritaire. Non, je ne veux pas y aller. Alors d'abord, c'est un atelier théâtre. Et le théâtre que je pratique est très particulier dans la mesure où il est basé sur la valorisation de chacun, quel que soit son âge, sa nationalité, sa culture. Et du coup, tous les exercices sont conçus pour que, individuellement, chaque enfant se sente concerné. On a fait, comme d'habitude, l'entraînement. Oui, je veux. Non, je ne veux pas. Chacun dit. Et après, on a fait aussi un autre entraînement. Je m'appelle Samy Fort pour dire notre prénom. C'était bien, ça m'a beaucoup appris. J'ai appris à beaucoup parler, à expliquer et à faire des choses. On a fait plein de choses. D'abord, on avait commencé par les échauffements, comme « je m'appelle »,« je veux », »,« je ne veux pas ». Je m'appelle Cyrine. Je m'appelle Kenza. Je m'appelle Anine. Je m'appelle Jumana. Je m'appelle Siem. Je m'appelle Yanis. Tout le monde peut faire du théâtre. Tout le monde peut faire, même les gens sourds, ceux qui parlent pas et tout, qui n'entendent pas. Tout le monde peut faire, les handicapés, tous les êtres humains peuvent le faire. J'ai préféré insister sur la valorisation de chacun, parce que ça, j'estime que ça fait partie des droits de l'enfant. C'est-à-dire que si on connaît les droits de l'enfant par cœur et qu'on n'est jamais bien à la bonne place, où on est déconsidéré, ce n'est que de la littérature, les droits de l'enfant. Je pense qu'il faut vraiment passer par l'assurance de la personnalité de chacun, la communication, avoir la bienveillance de chacun pour se sentir à sa place, mais pour avoir le respect, la bienveillance, il faut aussi être respectueux. Et j'aime bien aussi faire des personnages, c'est un peu amusant. Je suis la reine et c'est mon palais et j'ai le droit de ne pas te laisser rentrer. Bah, okay. Alors tu dis la vérité, c'est non. Toi. Non. Et elle a toujours le sourire. Il y a l'intervenante, elle nous dit de quoi faire et après on le fait. Par exemple, aujourd'hui on a fait le roi, on se place. Après, dès qu'il n'y a personne et tout le monde s'est placé, on reste tranquille. Stop. Reprenez vos places, tu fais ton entrée comme une reine et tu viens jusqu'au milieu. Les activités que nous mettons en place à travers la maison de l'enfance sont en lien, bien entendu, avec les axes du PE2T de la ville, mais également de la maison de l'enfance ou Hypergo, donc à partir d'un projet pédagogique. Et l'atelier théâtre donc, nous a semblé une opportunité, justement, pour permettre aux enfants d'aborder les droits, mais aussi les devoirs des enfants. Donc à partir de cet atelier-là, on a amené les enfants, justement, à s'exprimer, à prendre la parole, à se respecter, à créer un climat de détente dans le loisir. Hein. Et cela a permis également aux enfants de mieux se connaître. J'aime bien faire de temps en temps parce que ça aide à articuler, à apprendre des nouveaux mots, à être moins timide, à s'exprimer devant tout le monde, à apprendre des textes. Pour nous, il y a un mot d'ordre qui est donc, trois mots, un triptyque, qui est à la fois la complémentarité, la cohérence et la continuité. Pour nous, c'est important parce que c'est un travail d'équipe entre les enseignants, les animateurs, les intervenants pédagogiques, pour être à même justement à faire passer au mieux à travers des ateliers ludiques des messages éducatifs. C'est pas moi, c'est lui ! C'est toi ! Non, c'est pas moi. C'est bon. Hein ? Et c'était très bien. Donc, ça veut dire que vous pouvez